T'es prête? Carrément. Waouh, c'est pour de vrai? Pour de vrai. Attends, les soldats vont voir la lumière dans le centre commercial, non? Non, les lumières extérieures marchent pas. Comment tu le sais? C'est cette luciole, Mélanie, on en a parlé. Ça a l'air cool. Tu veux essayer? Yo tout le monde, c'est Sean Kazma et bienvenue pour ce deuxième épisode du DLC slash adventure sur The Last of Us Left Behind. Alors j'espère que vous allez bien et ce soir les amis, c'est au cœur du centre commercial, aux environs de la nuit, je dirais au coucher du soleil que je vous retrouve et je suis en compagnie de Ellie et de sa compère voyageuse à son tour, notre amie Riley, donc la fille qui nous accompagne, et aujourd'hui nous revivons le passé. Nous revivons le passé et elle m'a demandé d'essayer mais je ne peux pas, comment qu'est-ce qu'on fait? Ah. Ok. Ouais. Bien accroché. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh. Riley, viens là. Tu t'en sors très bien. C'est pas croyable, c'est trop mortel. Ah oh, ouais. Allez, viens, viens là, monte sur celui-là. Allez, j'arrive, attends. Non, 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 non. Oh non, non. Allez, je viens de monter. Ah, c'est nul. J'ai adoré. Et j'assume. Oh, j'ai trouvé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cercle pourrait bien dire à un triangle? Qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues! Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Les croque-monsieur! Tiens, je te le donne. Mais avec ça, on redevient amis pour la vie, tu sais. Je dis ça comme ça. Je prends le risque. Je dis ça comme ça. Ok, t'es prête? J'écoute. Quand deux cacahuètes s'en vont au resto, la note est salée. Je me marre. Elle est très drôle. Un œuf dur, c'est bien galère à battre le matin. C'est très drôle. Si, c'est drôle. J'aime bien celle-là. J'ai commencé un livre sur l'apesanteur et c'est impossible de le reposer. Ouais. Ouais, celle-là, elle déchire. Qu'est-ce qui rapproche un facteur et un jongleur? Ils ont tous les deux énormément d'adresse. Oh, oh. Comment ça marche? Il doit suffire de suivre les instructions, il me semble. Tu veux que je le fasse? Non. Tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Et c'est parti! On va essayer amitié. Oh, c'est trop mignon. Je suis la grenouille. Tu peux pas choisir de personnage. Toi, t'es le lapin. Je vais prendre la grenouille. Oh, ok, souris. Là, plus près, ok. Non, pas d'oreille de lapin. Ok, on fait très peur. Dépêche, dépêche. Oh, oh, on fait une grimace, ok. Face de raie, face de raie. Ok, on va faire une grimace. Ok. Nez de cochon. Oh, c'est fini. Ok. Hey, c'est nous. On a l'air débiles. Débiles, mais trop bien. C'est quoi, Facebook? Genre, ça imprime ta tête dans un livre?
On n'a qu'à juste imprimer les photos. Ah, donne-nous des photos. Oh, je rêve, ça va vraiment marcher, j'hallucine. C'est clair. Fais réessayer. Oh, ok. Ah. Quoi ? Oh, fais chier, ça me saoule. Peut-être en tapant dessus. Oh. Oh non. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je crois qu'on l'a cassé. Oui, c'est possible. Donc... On reprend les recherches ? Carrément. Je hais cette pauvre fille. Elle insiste pour se faire détester ou quoi ? Carrément. Moi, je ferai comme ça. Attention. La garde de 6 heures commence dans 10 minutes. Ok, à mon tour. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une pièce d'identité valide. Dénoncer tout individu suspect à l'administrateur de zone le plus proche. Agissez pour sauver des vies. Ouais, ce serait carrément mieux. Ouais, j'avoue que quand même, l'air de rien, ça rendrait plutôt pas mal. Ah, franchement, j'ai bien aimé. La zone d'avant était super sympa à faire, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur d'un escalator ? Sérieux quoi, elle s'accroche. Ok, on lui laisse de la place. Nickel. Allez, on continue. Oh. Oh putain, c'est dingue. Je te l'avais dit. Oh, je sens que je vais aimer ce magasin. Attendez. On cherche une borne qui fonctionne. Une borne. Oh oui. Oh ça, je veux jouer. Oh ça, je suis trop fort à ça. On peut pas jouer. Non, on peut pas jouer. Mince, comment on fait ? Genre, il faut remettre le coup. Ah. Non, me dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment ? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. Là, coup de poing, là, coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer ? Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres, un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque avec 3 bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête ? Vas-y, envoie. Manche 1, go ! Au bout du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute ! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui, il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais ? Maintiens gauche et contre pour parer. Tu soulèves le coude juste quand il fait son combo. Tu recules, mais t'es pas blessé. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension directe. Joli. Il t'a eu. Nouveau point pour ça. Fais haut, part et pied pour une charge de lame. Parle. Tu le tiens. Pas avant. Point. Bien joué. Combo brutal.
Achève-le. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elle lui transperce la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes! Pas mal pour une première fois. Alors? C'était sympa. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour, alors. Ok, la Luciole, alors quand? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle, elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! Oh, fais chier. Mais où elle est passée? Riley! 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 Eh, nous fait fafobie comme ça, t'es où? Où c'est qu'elle est passée? Non, elle a pas tenté quelque chose de débile, j'espère. Riley? Oh oh, quelque chose me dit que ça sent pas bon. Vite! Ok, là, ça devient intéressant. Ok. Après la partie amusement, la partie technique. Là, je sens qu'on va avoir affaire à quelque chose de pas cool. Yop là, on reste sur nos gardes. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Ah, un mannequin. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? D'accord. Si t'étais énervé, fallait pas t'en prendre un mannequin. Enfin, bon, c'est déjà mieux que de taper une vraie copine, mais... T'as déjà vu un truc pareil? La discussion est close? Je sais pas. À ton avis? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé ton avis? Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse? On était potes. On était vraiment potes, mais t'as fini par m'envoyer chier, et après ça, t'as disparu. Toute cette journée... Tu te sens coupable? Tu veux te défiler? Vas-y, je te retiens pas. Je suis censée être en planque à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que Luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... J'essaie. En parlant de ça... Ces fameux pistolets à eau dont tu rêvais.
failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Ok. D'abord, je vais te laminer. Et après, on parlera. Prépare-toi à prendre une douche. À nous deux, la luciole. Allez, viens te battre. Allez, fight round 2, ça va saigner. Tiens. Bim 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 bim. Vise la tête, vise la tête, vise la tête. Oh, pas. Recharge. Allez, 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 recharge. Ok, c'est bon. Riley, viens là. Si t'essaies de me contourner, non, ça marchera pas. Tic. Donc ça. Ah, je suis trempée. Bouh. Je t'ai réglé ton compte. Quoi? Tu m'as à peine touchée. T'es trempée. Ok. Compte jusqu'à 5. Je vais me cacher et on doit se trouver. La première qui se fait prendre a perdu. Ça marche. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. T'es prête? Ok, cool. On a droit à round 2. Alors, voilà, c'est rechargé. Riley, où c'est que tu te trouves? Si je te trouve, je t'atomise. On va couper la lampe, voilà, pour éviter de se faire repérer. Et on va essayer de porter le premier coup. Où c'est qu'elle se cache? Concentré, Louis. Ah, on peut tricher. On peut tricher, j'ai entendu un truc qui venait de par là. Je crois, il me semble, je suis pas sûr. Non, elle est pas par là. En plus, c'est pas du tout facile parce qu'avec Ellie, Louis est super fine et c'est dur à ajuster. Tic. Putain, mais c'est dingue ça, je perçois rien. Rien du tout. Elle est genre en mode discretos ou. Non, je sens que je vais me faire surprendre. Et ça me fait peur. Oh, ça va, j'arrive. D'accord, elle est juste derrière moi. Non, comme on inverse. Voilà. Fais la maline, on va voir c'est qui va gagner. T'es où? Tu t'en tireras pas comme ça. Toi tu t'en tireras pas comme ça. Oh, je rêve. Mais quelle pitasse. On joue en trois manches. Toi, va te cacher. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas mourir. Ah mais non, je suis dégoûté, je l'avais trouvé. Ok, en trois manches, mais cette fois, c'est moi qui gagne. Où c'est qu'elle est? Bon déjà, je pense pas qu'elle va se cacher deux fois au même endroit. Elle doit être... Non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Match nul. Le suspense reste entier. C'est bon, t'emballes pas trop. On y vient. Je suis prête, go. 1, 2, 5. Plante-toi bien, je débarque. Ah, une égalité. Ok, cette fois, c'est là que tout se joue. En fait, c'est marrant parce que plus j'avance dans cette partie-là, plus je me demande en fait si c'est scripté. Parce que c'est tellement bien fait finalement que tu te demanderais presque. Est-ce que t'es genre obligé de perdre ou est-ce que on aurait pu en finir en une manche? Elle est pas par là. Putain, elle va me surprendre. Je vais gagner. Mon chien qui s'excite derrière. Où es-tu? Putain, je suis sûr, elle est pas loin. Tic. Ninja. Ninja Ellie, le retour. Ah! Ok, la voilà. Là. Ah, purée, elle est forte. Non, c'est moi.
Oh, mais zut! Ha! J'ai gagné, et ouais! J'ai gagné, et ouais! Waouh, tu sais quoi? T'as eu de la chance! De la chance? Ouais! Tu veux remettre ça? Je... Mais oui, mais je... Tu dois y retourner. Il faut que j'y retourne. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner? Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Et au fait... Je l'ai dit méchamment... Mais... Je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... Qui je suis pour t'en empêcher? T'es la seule à le pouvoir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Tu devrais les garder. Ça ne me servira pas à grand-chose. Tu trimbales toujours ton baladeur? Ouais. Fais voir. Tiens. Y a quoi dedans? La cassette que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? Franchement. La ferme. Laisse ça, suis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir. Viens par là. Allez, ramène-toi. C'est débile. Allez. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce que t'as? T'en vas pas. On fait quoi maintenant? On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène va pas trop apprécier. Non! Non! Oh purée, non, non, non! Oh, je suis dégoûté. Réellement, je suis dégoûté. Franchement, cette partie était... Oh, on s'amusait bien, quoi. Oh, je suis deg. Le pire, c'est que c'était tellement prévisible. Elle mettait tout à fond, elle s'allumait tout ce qu'elle trouvait, c'était... Le pire, c'est que c'était prévisible, mais... Oh, je suis dégoûté.
Bon, allez, c'est passé, on se concentre sur la partie actuelle. Oh, ça me dégoûte quand même. Ça me dégoûte. J'étais sûr que ça allait arriver, le pire. Tu le sens tellement que ça arrive et tout, mais... Bon. Allez, retour au jeu. Sinon, l'air de rien, quand même, la petite demi-heure passée, là, en animation, était... Franchement, bien. J'ai bien aimé la phase avec l'arcade et tout. C'était super bien fait. Moi, je dis... Chapeau à Naughty Dog. Là, franchement, du super DLC. Oh, merde! Oh, c'est pas vrai! Viens par là. On se calme. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Rien à carrer du vieux schnock et de la gamine! Ouais, plus vite on les retrouve, plus vite on peut se tirer. On commence par cette zone. Je vais par là-bas. Va voir à l'arrière. Ok, on se concentre, là, ça va devenir technique. Alors, j'ai une brique, 10 balles, un arc, un kit, et... Ah, je peux en confectionner un autre. Voilà, et je peux faire autre chose... Une bombe. Vite, réagis. Ok, c'est cool. On va essayer de bien gérer la phase. Jusque-là, j'ai réussi à pas mourir, ce serait bien que ça continue. Allez. Non. Non, c'est bon, couteau! Ok, nickel, on en a eu un. Alors, par là, il y avait ça à récupérer et un tiroir à ouvrir. Ah, nickel. Ciseaux. Un peu de vue en passant, voilà. Ok, il m'a pas vu. Il est idiot et tant mieux, allez, couteau! Voilà, nickel. Et des deux. Plus que un, si j'ai bien compté. Ah bon Dieu, puis on voit rien avec cette Wii là. Oh là 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 là, ça me gêne. Ça me gêne réellement. Non, franchement, j'aime bien. Pour le moment, le DLC, tout est bon. Tout est bénef, j'adore. Franchement, j'adore. La phase avec Ellie est vraiment trop géniale. D'ailleurs, je la trouverais presque même finalement mieux que le jeu en lui-même. C'est peut-être bête, mais je sais pas. Je trouve que c'est vachement bien écrit. Ça. Nickel, il y a des balles là-dedans. De la vie, je suis déjà à fond. Là, il y a un Gugus. On va attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le couloir. Est-ce qu'il y a une suite à ce couloir? Oui, ah! Une flèche. Nickel. Ok, reviens par là. On va se cacher vite fait au cas où il vient par là. Je sais pas trop ce qu'il me fait, en fait. C'est ça qui me gêne. Si je pouvais lui caler une flèche. Ah, purée, ça va être juste. Ça va être très juste. Allez. Ah, purée. Où c'est qu'il va? Ok, il va juste là, en fait. Il va juste là, on va attendre qu'il fasse demi-tour. Allez. Fais-moi le même schéma que tout à l'heure. Oui. C'est bon. Ok, plus qu'à prendre dans le dos. Allez, couteau! Et voilà, et j'aurais économisé toutes okay. Mes flèches. Bouge pas, Joël, j'arrive. Ces types veulent se battre. Ils vont pas être déçus. Je vais le retrouver, le recoudre, et après je me casse d'ici. Rien d'autre à collecter. On avance. Ok, nickel. Ah, je suis content. Pour le moment, depuis le début du DLC, zéro mort. Tout va bien, tout se passe plutôt pas mal. Jusqu'à ce moment-là. Trop de sang dans le conduit, là, j'aime pas trop ça. J'aime même ça pas du tout. Et j'ai dit les mots à l'envers, c'est pas grave. Ok, de ce compte-là, c'est bénef. Ah, quel côté. Par là. C'est mort, je vais pas du côté du sang, moi. C'est mort, c'est... Regardez ici. Oh, ils me font chier. Ok, donc, 3 zombies, 2 soldats. Ce que je peux faire? J'entends des infectés. Ah, voilà une phase qui s'est bien gérée. Nickel.
Voilà, comme ça les zombies vont s'occuper d'eux. Et moi, bah, je ferai les zombies après. Ouais, en fait ce que j'aurais dû faire là, c'est en profiter pour me tirer. Yop là. Yop là. Ok, je prends ça en passant. Vite, 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 vite. J'ai pas envie de moisir ici. Ça, je prends. Rien d'autre. Ok. Ok, ok. Ils sont encore 3. Bon, eux, ça va, ils nous voient pas. Ce que je peux faire, c'est je tente de passer. Yop là, doucement, 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 doucement. Doucement. Et peut-être éviter de les alarmer, hein. J'aurais voulu lancer une brique, mais c'est peut-être pas la meilleure idée que ce soit. Yop. Yop. Ok. On avance. On avance, on avance. Un reculons. Pas meilleure idée qu'il soit d'ailleurs. Lui, je fais attention parce que, par contre, en fait, on les reconnaît au visage. Lui, c'est pas un crackler. Lui, il peut me voir. Oh non. Non! C'est par où? C'est par où? C'est par où? Par là! Vite! Yop là! Yop là! J'ai eu de la chance. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez! A plus les nazes! Yop là. Ok. On reste concentré, on reste concentré. La zone est vaste. Qu'est-ce que... Yop là. Voilà, alors. À partir d'ici. C'était quoi? Hé, hey, vous avez trouvé quoi dehors? Oh non, oh non, oh non, on reste cool, on reste cool. Ok, moi je passe par là. Je prends ça vite fait en passant. C'est serré la phase, c'est très serré. C'est très serré. Déployez-vous et ratissez la zone. Ok, 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 ok. Cette fois, c'est aux humains que j'ai affaire. Cette fois, c'est aux humains. Bon, en même temps, c'est pas plus mal finalement, je préfère. Je préfère... toi, mon gars, tu meurs. Lui, c'est fait. Ensuite, non. Kibidi. Kibidi, 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 kibidi. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que ça marche? Oui, oui, je suis là-bas. Oui, voilà, voilà, voilà. Je me suis tiré par là, oui. Vite, prends ça. Et ça. Ok, nickel. De ce côté-là. Ah, je le sens pas, là, je suis cerné. Je suis totalement cerné. Je vais balancer ça vite fait. Hop là, je vais m'écarter un peu. Qu'elle bouge pas. Dans ta face, face de rat. Ok, ok... ça m'embête, là, je suis vraiment dans une situation pourrie. Il en reste un là et un là. Bon, ça va, ça aurait pu être pire, il pourrait être une dizaine. Ils sont plus que 2, ça va le faire, normalement. Ok, lui, par contre, il me gêne, il arrête pas de courir dans tous les sens. Ça m'aide pas beaucoup pour savoir où il est, en fait. Yop là. Je vais vous surprendre. Yop là. Mince, non, c'est pas ça que je voulais lancer. Non, je suis là-haut. Vite, fonce. Non, 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 lâche-moi. M'écrire. Fous-moi la paix. Et bim. Voilà. Ah, purée, quand je vous avais dit qu'il était dur à percevoir, lui. Il court dans tous les sens. Ok, ok, ok. Là-dedans, il y a quoi? Là-dedans, il y a du récupérable. Là-dedans. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, il en reste plus qu'un. Si je pouvais me le faire proprement. Je vais reprendre de la vie vite fait, par contre. Voilà. Ok. Nickel. Une brique. Ça, c'est pour moi. Voilà. En passant, une brique avec ça, on peut tuer des gens aussi, hein, au face à face. Enfin, au corps à corps. Ça permet de one-shot.
Enfin, du moins avec Joël, avec Ellie, je sais pas. Je sais pas parce que Joël, dans la logique, c'est un homme, donc il a plus de force, et Ellie, elle est plus faible. On se rapproche doucement. Là, j'ai pas envie de m'y laisser. Comment je vais faire? Il vient par là. Non, il fait demi-tour. Ok. C'est bon. Hop là. Discrétion. Couteau. Et voilà, ça c'est fait. Nickel. Bien. Bah ça c'est... Bah c'est pas si mal que ça en fait. De ce côté là. Ah ah. De la poudre à récupérer. Là il y avait autre chose mais je l'ai récupéré juste avant. C'est à peu près tout. Voilà. La suite c'est là. Est-ce que je peux... Ouais. Je peux faire un kit médical. Voilà. Nickel. Un cocktail Molotov. En cas de coup dur, une bombe. Oh, j'ai oublié de récupérer l'autre. Ouais. Je vous fais une avance rapide, je vais la chercher. Là voilà. Nickel. On est reparti. Bien fait, bande de saloperies. Ça vous apprendra à me chercher des bus. Ah, mon dieu. J'aime bien. Franchement, les chaînes. Franchement, là, les phases qui s'enchaînent sont plutôt pas mal. C'est... Faut être rusé. Faut se la jouer rusé. Et voilà. Et là, je suis pas loin de Joël. Nickel. Joël, normalement, il est par ici. Oh oh. Oh oh. Oh, c'est pas bon. Ok, doucement. Voilà. Y'a quelqu'un d'autre? Ouais, y'a un soldat par là. Hey, un soldat là. J'entends ce putain de cheval derrière! Aidez-moi à ouvrir ça! Ouais, on se charge de la porte. Continuez à chercher. J'ai pas envie qu'ils nous attaquent. Ils vont le trouver. Je dois faire quelque chose. Vite! Oh non, vite. Il faut sauver le cheval. Ellie, tu dois faire quelque chose. Et Joël en bonus, vite. De ce côté-là, y'a quoi? Là, non, je prends la brique. Y'a rien d'autre à récup? Ah, mais y'a un escalier, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Par contre, il doit y avoir quelqu'un en bas. Oui, non, ils ont l'air d'être tous de l'autre côté. Ok. Non, vite. Ah, purée, c'est pas cool. Je crois qu'il faut que j'atteigne la porte avant qu'ils fassent quelque chose. Ah, comment je vais faire? Ils viennent tous vers moi en plus. Gigi. Hop là. Et boum! Non, jamais. Allez. Non. Bim. Non. Mais ça va pas la tête. Non, fous-moi la paix. Lâche-moi. Oh non, je vais mourir. Ok. On se reprend. Ça va le faire. Alors, nous disions. Oh non, j'ai intérêt à me dépêcher. S'ils prennent l'escalier, je suis foutu. Là, va falloir aviser et vite. Brique. Voilà, je suis là-haut. Allez. Tu dors. Vite. Et son pote, il m'a repéré, tiens. Cours. Nickel. Ok. Là, je suis en sécu. Normalement, je suis en sécu. Personne derrière moi. Ok, ils sont tous devant. Bien. C'est le moment de réfléchir. Je pose une pompe ici. Oh, oh, il a un cocktail, c'est pas bon. Oui, vas-y, va par là. Bim. Bien fait pour toi. Et toi, mon pote, si je pouvais t'avoir... Purée, non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, purée, j'arrive à rien. Là, je suis mal barré. Je réfléchis un peu. Bim. Boum. Boum. Ok, nickel. On l'a eu. Il y en a un autre qui se cache là. Non, il y a personne. Là-haut.
Là-haut, 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 toi, bim. Headshot, nickel. Nickel, nickel. Et le dernier, il divague un peu, là, il sait pas quoi faire. On va essayer de le prendre en traître. Cours, il est où? Il est dans le coin. Mince, il est où? Eh, mais c'est encore deux, en fait. Oh non. Je pense qu'on va d'abord tuer tout le monde avant. Parce que sinon, ça va finir n'importe comment et c'est pas de ça que j'ai envie, moi. T'es où? Ah, mais il est juste là, en plus. Bim! Aïe! Mon dieu, saloperie! Et bim! Ok, nickel. Nickel. De ce côté-là... Là. Comment je vais le faire? Je réfléchis. Il vient par là. Non. Il vient de se rendre compte que son pote était mort. Te retourne pas. Ah, génial! Non! Vous m'énervez à toujours me contrer! Yeah. Tu meurs! Tu me fous la paix! Et voilà. Oh la vache! Dans le genre, fasse qui fasse pas, celle-là, elle passait pas. Ok. On se régène 2 secondes. Voilà. Ok, ça continue. Ah! Je prends ça en passant. Voilà. En bas, près de la porte! Oh, merde! On la tient cette fois! Butez-moi ça! Con! Bon, vous voulez jouer à ça? La Cercor et je suis dans une situation pourrie. Je fais comment? De ce côté-là, c'est libre. Non, il y a un garde. Il y en a même 3, un en bas. Juste là, le magasin vide. Trace. Ok. Ok, recharge vite fait. Nickel. Ok, donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je tue tout le monde ou il faut que j'atteigne la porte? Parce que... il y en a juste là. Tu vas mourir. Boum. Ok, lui il est mort et j'ai totalement gâché mes balles. J'aurais pas dû. Je crois que j'aurais plus dû utiliser l'arc. Oh non, ils vont me prendre à revers, non? Non, c'est bon. Ok. Ils ont un petit peu près repéré la zone, mais ça va. Ça va être à moi de profiter du truc. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est bon, il vient pas vers moi. Oh, c'est hardcore, je sais pas comment faire. Là, ils sont trop... Headshot! Nickel, j'ai eu la carabine. Toi, mon pote... Dors! Nickel! Comment je vais faire? Non, viens pas par là. Non, c'est pas cool. Bim. Ok, je l'ai eu, mais j'ai presque plus de balles. File ta carabine. Hop là, ta brique. J'ai oublié la balle. C'est pas grave. Caché. Ok. Et je ne peux pas prendre la carabine. Bon. Bah, c'est pas cool. Pourquoi je n'ai pas pu prendre la carabine? Attendez, ça me laisse perplexe, on ira voir après. Pour le moment, ce que j'aimerais bien, c'est juste m'en sortir, tu sais. Histoire de dire, viens par là. Allez, montre ta tête. Et bim. Ah, je l'ai loupé. Non. Ok, on l'a eu. Non, il est pas mort. Non. Bim. Non, purée, j'ai loupé tout. Mes balles, ah, j'ai plus de balles. Comment je fais? D'abord, kit de soins. Ah non, il va pas me laisser le temps. Bah voilà, j'ai une carabine. Pourquoi j'ai pas pu la prendre avant? Je sais pas, mais le pire c'est que ça aurait pu me sauver la vie. Mais boum, elle a choisi de pas me la prendre. Voilà. Ok, nickel. Toi, ne cherche même pas. Bim. Non. Désinfecté où? Non. Où c'est qu'il est désinfecté? Ah non. Oh, c'est pas cool. Oh non, il y en a partout.
Oh génial, oh génial, génial, génial. Cette situation n'en finit pas. Cette situation n'en finit pas. Bon, l'avantage c'est qu'au moins ils ont pas des armes à feu. On va éviter de se faire repérer. Pour le dernier, ce serait bête. Hop là. Bim. Bim et bim. Nickel. Non, on l'a pas eu. Une dernière. Bim. Ah, c'est pas vrai. Bim. C'est bon, j'ai eu. Ok, c'est bon. En bas, c'est quoi? En bas, c'est un zombie. C'est un zombie. C'est pas cool. C'est franchement pas cool. C'est franchement pas cool. Mais c'est le meilleur chemin. Bon. Bah, on va tenter. On va tenter, on va tenter. Et le pire, c'est que eux, c'est pas des crackers, je crois. Je crois que c'est ceux qui te voient. Doucement, doucement. Il est juste là. Allez, 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 allez. Toi, tu vas m'aider. Ne bouge pas, ne bouge pas. Et bim. Ok, d'accord. Bon, l'avantage, c'est que je l'ai one shot. Bim. Nickel. Et de deux. Et de deux, et de deux, et de deux. Normalement, il en reste encore deux, dont un en haut. Reste concentré, reste concentré. Ouais, il y en a juste un là. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Il y a juste à pas déconner. Ok, il est tout là-haut. Et c'est un crackler en plus. Bim. Ah. Nickel. Nickel, 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 nickel. Non, 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 non. En fait, ce qui serait mieux, c'est que je puisse le finir. Je vais pas tenter d'ouvrir la porte. Bah, de toute façon, je peux pas, alors. Allez, 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 concentration. Bim. Touché. Touché, mais je l'ai pas eu. Bim. Headshot. Nickel. Nickel, et le dernier qui est là. Headshot. Boum. Non. Headshot, headshot, headshot. Allez, au moins un. Bim. Boum. Ah voilà. C'était pas si compliqué. Et toi, ce que je vais faire, c'est... Boum. J'ai eu. Boum. Voilà. Ouf. C'est bon. S'il en reste d'autres, je vous conseille pas d'essayer de me piéger. Ou vous finirez comme vos potes, c'est compris? Ouais. Ouais. Oh, pitié, Ellie. Les cherche plus, là. J'ai eu ma dose. Intérêt à être vivant, Joël. Bon et bien sur ce les amis, je vais vous laisser, j'espère que cet épisode vous aura plu, pour ma part j'ai ma dose, comme d'habitude je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien, c'était Ellie en direct du DLC de The Last of Us, Left Behind, ciao ciao.